Oh ! Un nouveau brawler est disponible sur Brawl Stars. Bon les gars, j'ai pas le choix, je vais devoir lancer le jeu. Bonjour à toutes et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Brawl Stars. Je suis sur mon jeu, il y a une mise à jour Brawl Stars. Il y a carrément un petit arc-en-ciel maintenant dans le lobby. Vous l'avez vu, j'ai reçu une notification sur mon téléphone. À ce qui paraît, il y a un nouveau brawler les gars sur Brawl Stars qui n'est même pas encore disponible. On peut pas le jouer. On va aller cliquer sur les brawlers et on va voir ça tout de suite. On va scroll. Oui les gars, il y a un brawler qui s'appelle Berry. Il arrive dans 5 jours et 11 heures. Ça veut dire que là normalement, il est bloqué les gars. Donc on n'est pas censé le débloquer, mais Brawl Stars ils font n'importe quoi car on va réussir et on va débloquer ce brawler. Normalement, si je dis pas de bêtises, si je clique dessus, je peux l'essayer en zone d'entraînement. Donc le brawler est pas sorti, mais on peut quand même le tester. Ok, le mode de jeu se lance. Et là, vous le voyez, les gars, j'ai le petit nouveau brawler qui vient à peine de sortir, les gars. Il est sorti aujourd'hui sur Brawl Stars. J'ai pas encore testé ce personnage, les gars. Je sais pas s'il est cheaté, mais quand c'est des nouveaux brawlers, Brawl Stars ils font n'importe quoi. Il est forcément cheaté. Donc déjà, alors, oh, ok, donc c'est un brawler où on va pouvoir jeter, un peu comme Dynamite, on peut jeter, allez. C'est quoi, c'est des glaces? On jette des glaces, c'est original. On va jeter ça là-dessus. Je crois que ça fait des zones de dégâts en fait. Ça me rappelle un brawler, les gars. Il jette des cocktails. Je sais plus son nom, dites-moi dans l'espace commentaire. Lui, par contre, il jette des glaces. Par contre, c'est quoi son ult? Je vais tester son ultime sur lui. Ok, let's go. Ah oui, d'accord, les gars, ça fait une traînée de glace. Ok, ça me paraît vraiment très cheaté, les gars. Là, je vais tester son ultime là-dessus. On va faire sur plein de bots. Oh, ça one-shot tout. Ok, il a l'air très très fort ce perso. Ça tombe bien, les gars, car dans la boutique, regardez, on va ouvrir le magasin. Et il est déjà dispo. On peut l'avoir en avance. Et on n'a pas besoin de le débloquer. En plus, regardez, il y a plein de récompenses pour avoir des gemmes, des pièces et tout. Mais ça, je pourrais pas les débloquer dans la vidéo car c'est au fur et à mesure des jours. Il y a même une version du nouveau skin. C'est une licorne en version noire. Très stylée. C'est parti, les gars. J'achète le brawler. Tout est prêt. L'achat est effectué. Oui, le brawler, les gars. On a un tout nouveau brawler, le dernier brawler de Brawl Stars qui vient de sortir, c'est Berry les gars, donc c'est une licorne, on va l'appeler la licorne en fait. D'ailleurs les gars, j'ai débloqué un nouveau brawler, donc j'espère que vous êtes abonné à la chaîne YouTube, ça fait plaisir, on est plus d'un million sur la chaîne, abonnez-vous, activez la cloche, et juste ici, je dédicace les 4 dernières personnes qui se sont abonnées à la chaîne, donc si tu veux passer à la prochaine vidéo, abonne-toi avec la cloche. On récupère le brawler, on a aussi une petite émote, et on a quoi d'autre? On a des émotes gratuites avec, donc ça fait plaisir. Attends, j'ai aussi des trucs gratuits les gars, j'ai des pièces. On récupère les pièces, bien sûr, on va récupérer. Bon, il faut savoir que le brawler, je viens de l'acheter, donc il est level 1 les gars. Je sais pas si je vais le maxer, mais on va déjà améliorer quelques niveaux. Voilà, on va cliquer les gars. Bon, ça coûte les premiers niveaux sur Brawl Stars, les gars. Ça coûte pas trop cher. Je viens d'avoir des pièces, donc je peux me permettre. Attends, j'ai déjà mis level 8. Ah, en fait, ça va vite, les gars, quand même. En fait, j'ai quasiment maxé. Bon, du coup, on va aussi acheter des gadgets car c'est un nouveau perso. Je veux tester les gadgets. Celui-ci, Berry donne un coup de queue, projetant les ennemis en arrière et soignant les alliés proches de 850 PV. L'autre gadget, c'est la prochaine zone d'attaque de Berry, dure 100% plus longtemps. Ce brawler, il a pas beaucoup d'HP, donc je vais prendre un truc pour régénérer ma vie beaucoup plus rapidement. Je dépensais les 1000 pièces, on fait les pigeons. Comme je joue pas tout le temps en mode équipe, ce gadget, il va être beaucoup plus intéressant. Voilà, 1000 pièces, on achète. Du coup, comme c'est un nouveau perso, il n'y a pas de pouvoir star, les gars. Voilà, je voulais acheter pouvoir star, les gars. C'est pas possible. Je peux pas l'acheter dès le début. Il est level 8, les gars. On va faire notre première game. Je l'ai pas maxé encore. Calmez-vous, les gars. Calmez-vous. Ça coûte cher de maxer un perso. C'est parti. Je lance la première game en mode survivant avec le nouveau brawler. Normalement, il est cheaté. Je suis censé gagner. Et en plus, après, dans la vidéo, on va 1v1 un youtubeur, les gars. Et oui, on va voir si le brawler peut battre d'autres brawlers. Je suis avec le nouveau perso, les gars. J'ai vu un joueur ici. Allez, on va jeter les petites glaces. Eh, waouh. La PAM, elle est forte, en fait, la PAM. Okay, là, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça marche pas? Meurs. Ouais frérot, ah oui frérot, là je suis pas très fort en fait, je suis pas très doué. La PAM elle se régénère, elle est où? Elle est là. Ok. Waouh, je vais mourir pas dès le début s'il te plaît. Ok, je l'ai tué, j'ai failli mourir dès le début, oh c'est chaud. Le perso il est compliqué à jouer les gars, j'ai pas l'habitude. Ok, là on va récupérer des boîtes de pouvoir quand même. Bon par contre pour casser les boîtes c'est pas top ce perso. Venez les gars, j'ai le nouveau brawler, je vous attends. Ok, là où il y a du fight, je vais activer un pouvoir, hop là. Oh là là, oh là là, dans le tas, oui. Le top 1 les gars, je viens de débloquer le brawler. Et oui les gars, regardez-moi ça, plus 10 trophées débloqués. D'ailleurs sur cette vidéo les gars, seuls ceux qui ont déjà débloqué un brawler peuvent liker, ok? Sinon vous n'avez pas le droit de liker la vidéo. On a réussi à faire le premier top 1 les gars, donc on va lui augmenter son niveau. Je vais lui mettre vraiment le niveau supérieur, ça coûte quand même plutôt cher. Là il est niveau 9, en plus je viens de faire top 1 donc je débloque un prix star gratuit, on va ouvrir ça. Bon il est vert, les gars j'ai pas de chance les gars, voilà je peux pas avoir toujours de la chance hein. Là je viens de lancer une game en mode zone réservée. C'est incroyable ce mode de jeu, ça se joue avec la zone. Et comme le brawler il fait des dégâts de zone, je pense qu'il peut être très cheaté. Ok, là, regardez, regardez. Ouh là là, par contre je prends vite des dégâts en fait, j'ai pris la confiance moi. Allez là-bas. Non, je suis mort. Je les ai tués, il avait 500 HP. Là j'ai mon ultime les gars, mon ultime, il a l'air très fort. Ok, regardez, je vais activer l'ultime. Oh là là, j'ai tué tout le monde. Mais trop cheaté le perso. Qui peut me tester les gars, qui peut me tester? Regardez, je mets plein de trucs là-bas. Allez, ils peuvent pas me tester, frérot. Il va mourir, ça dégage. Mais les gars, je fais tous les kills. Regardez, là-bas, ils sont toujours invincibles et là. Ultime. J'ai mis l'ultime. Oh, je suis trop fort. Mais l'ult du perso est trop cheaté les gars. Aïe, j'ai plus de vie. On va gagner les gars, attendez. Je réactive l'ult, j'en ai mis partout. Je vais rekill, j'ai encore mon ult. Ça va trop vite. On recharge, et là, l'ult. Oh là, l'ult de fou les gars. J'ai encore mon ult. Non mais c'est n'importe quoi les gars, c'est le meilleur mode en fait. Le perso est trop cheaté pour le mode de jeu, c'est n'importe quoi. J'ai encore mon ult les gars. Je charge, et là, ult.
Oh là là, mais mec, l'ult. Il est trop fou, les gars. Je suis désolé, l'ult est trop fou. Et j'ai encore mon ult, les gars. Ult, non, j'allais le refaire. Joueur star, les gars, j'ai fait 11 kills pour une mort et 71 000 de dégâts. Alors là, je viens de trouver un mode de jeu, mais il est insane si vous avez un nouveau perso. Il est trop fort. Maintenant que je connais le perso par cœur, je vais 1v1, un youtubeur. On se retrouve dès maintenant avec Radok. Je l'ai invité dans mon lobby Brawl Stars. C'est quoi ce skin de Golemon là que t'as sorti là? Comment ça, skin de Golemon? C'est Corba comme Transformers, ma gueule, frère. Donc là, frérot, on va faire un 1v1, ok? Et je gagne quoi? Tu gagnes le fait de pas te faire ridiculiser, voilà, c'est pas mal. J'avais de la vie, je perdrais contre toi de toute façon. Choisis bien ton brawler, mec, parce que là, j'ai pas n'importe quel brawler moi aujourd'hui. Soit je prends lui là, je crois lui, il tire de loin. Soit je prends ça, les gars. Je pense que je vais partir sur ça, honnêtement. Moi, j'aime beaucoup ce perso. J'ai choisi mon perso power. L'1v1 va commencer. Non, j'ai mis des bots. Ok, moi, je suis avec ma team. Ok, moi, j'ai une team de bots aussi. Je devais pas mettre des bots, c'était pas prévu. Ok, déjà, un bot en moins. Ouais, ok, un bot en moins de ton équipe. Frère, ton bot, il est plus fort que le mien. Power, tu sais où tu te caches? Tu sais pas où je me cache. Mais c'est quoi ce perso? Je connais même pas. Viens là. Viens là, j'ai dit. Oui, let's go. Attends, il y a un autre match, mais c'est quoi ton perso? Je connais même pas en fait. T'inquiète pas, j'ai contacté Brawl Stars, j'ai fait ouais, donnez-moi le perso. Wesh, y'a un bot à toi, il est trop fort, frère. Vous êtes tous en vie là, mais mes bots ils sont trop nuls. Oh. Oh, oh là là, le sniper. Sniper. Ok, 1-1, ok, maintenant il faut se tuer là. Dégage, frère, voilà. T'es prêt? J'arrive, corps à corps carrément, regarde, t'es prêt? Non, le bot, il va mourir! Jackie! Le bot, il bouge pas, les gars. Voilà, mon gars, let's go. Je t'ai dit, je perdrai pas, frère. Bon, écoute, j'ai mal lancé le mode de jeu, il y avait des bots. Là, on va retirer les bots. Tu vois, tu veux tricher tout le temps. Les bots ont été désactivés, les gars. Bon, du coup, Power, moi, je change de perso, parce que maintenant, tu sais quel perso j'ai, donc je change, il faut l'effet de surprise. Vas-y, moi aussi, je vais changer de perso, y a pas de souci là-dessus. Tu mens, je sais que tu mens. J'ai pas menti, qu'est-ce que tu racontes? Le menteur. Ah, mince, c'est le même, j'ai pas fait attention, mec. J'ai pas fait attention. Non, j'ai pris Transformers, moi. Tu sais que je sais même pas c'est quoi le but de ton perso, mec. C'est quoi le but de mon perso? Aïe! Aïe, wesh! Je te ralentis vite fait, hein, ça te dérange pas? Mais t'as vu, moi, en gros, mec, est-ce que t'as faim de glace? Parce que moi, en fait, je jette des glaces, en fait. Attends, mais ça reste à vie sur le sol ou je comprends pas? Ouais, à vie. Viens manger des glaces, mec. Mais on dirait que t'as un perso de loin, mais t'as un perso de corps à corps. Voilà, tu dégages, voilà. Aïe, ça commence à le mec, il te restait 1000 HP. Il me restait 20 000 HP, qu'est-ce que tu racontes? Ok, épisode 2, mec. Faites-moi mon perso, j'ai compris comment je dois le jouer. Je peux pas jouer comme toi, là. La map, elle est bizarre. Toi, t'es le loser, toi, non? Par hasard, t'es pas le loser de la série. Il va falloir me trouver. Bah, je peux attendre aussi, Power, hein. Bah, mais t'as une victoire. Ah, trouvé. Mais t'es où? Je m'enfuis. J'étais trop mal, gros, t'aurais pu me tuer, t'es trop nul au jeu. Mais je sais, mec, c'est trop dur, je vois pas dans les buissons, moi. Mais mec, il fait des dégâts constamment, ton perso. Power Jumper, le youtubeur aux 1 million d'abonnés, les gars, on le rappelle maintenant. On dit tous bravo Power pour les 1 million, les gars. Malgré qu'il les mérite pas, on lui dit. Mais mec, t'es mort, t'es bloqué là. Oui! La toupie! Je pouvais rien faire là, j'étais boxé, il y avait la zone. Mec, j'étais boxe, mec. T'es vu, ça sert à rien de te cacher. Arrête! Mais montre-toi! Ok, vas-y, y'a pas de soucis. Regardez comment il joue comme un cancer. Alors, mec. Aïe! T'es tout lent. C'est horrible ton pouvoir, frère. Ouais, ça va tellement loin! Reste là-bas, toi, tu as mangé mes glaces dans ton crâne là. Viens là, ok. Regardez-le comment il tryhardé. Là, je te dis, hein, j'ai qu'une envie, c'est win. Aïe! C'est la panique, les gars. Dégage! Il fait quoi, lui? Ouais! J'ai raté mon saut, j'ai quand même gagné. Mais c'est quoi? Oh, je savais pas qu'il pouvait sauter. Tu m'as eu avec le saut. Voilà, c'est gagné. Maintenant, je te propose, on va faire un truc simple, les gars. C'est qu'on va tester un mode en duo. On va faire une chasse ouverte, les gars. Première équipe qui a 10 kills, elle va gagner. Moi, j'ai le nouveau perso, donc on va faire des kills facilement. Tout à l'heure, mec, dis-toi, j'ai fait 11 kills pour une mort en game. Après, faut pas que je prenne un perso qui a beaucoup de trophées, parce que toi, t'as pas ton personnage à niveau max. Je viens de le débloquer, mec. C'est le nouveau brawler, frérot. J'ai 19 trophées, faut aller doucement. En vrai, Léon, ça peut être pas mal. Et en plus, avec un gadget que j'ai sur Léon, je peux te mettre invisible. Si tu veux... Je peux devenir invisible? Ah ouais, non mais d'accord. Carrément, j'ai le nouveau brawler, mais en plus une fonction d'invisibilité. Carrément, si tu veux, je te le mets dès le début, là. Voilà, t'es prêt? Vas-y. 3, 2, 1... Voilà, si t'es dans la zone, t'es invisible. Ouais, j'ai fait un kill! Non, c'est moi. Oh, le voleur de kill. J'étais invisible. On est invisible, là, dans la zone. Ok, deuxième kill. Ah, ça dégage. Moi, je veux mon ult, là. Je me suis mis invisible. J'ai mon ult. Oh là là.
Oh là là, je l'ai déjà encore mon ult, Je mets une autre sucette là, on est invisible là pour. Ult. Ok, ok. Oh là là, je l'ai freeze avec mon ult, j'ai encore mon ult. Je suis en train de s'arrêter, mec. Oh là là, on a déjà gagné. Oh le speedrun. Attends, mais je crois, j'ai fait combien de kills, mais je crois qu'on a fait 48, frère. T'as fait 6 kills et moi j'en ai fait 4, sachant qu'on m'a ramassé des kills. Non, mec, c'est trop fort. T'as vu le nouveau brawler, mec. Il est trop cheaté, je crois. En fait, c'est un perso de loin, mais tu peux l'utiliser au corps à corps à un certain moment. C'est fort, ça surprend si tu connais pas déjà. Maintenant, les gars, on va tenter le mode chasse ouverte. C'est du 5 contre 5, mec. Avec le perso, on est d'accord que normalement, je suis censé faire une boucherie là. Je pense que tu peux faire une dinguerie, j'avoue. Les gars, j'ai jamais joué dans ce mode de jeu. C'est quoi cette map de neige? Mais c'est le mode qu'on a fait avant. C'est son 5v5. Ah, c'est 20 kills là, du coup, vu que c'est en 5v5. Oh là là, mais la boucherie, ça va être incroyable. Ah, mais tu peux casser ça en fait. Qu'est-ce qui se passe? J'ai le nouveau brawler. Dégage, t'as fait le premier kill. Ouais, première émulation Cradock TV, t'as vu? J'ai vu la télé. J'ai mon ult, mec, j'ai mon ult. Attends, là, je vais ult dedans. Non, j'allais faire une bombage. Bien joué l'ult power. J'y retourne frère, je vais ult dans le tas là. Je vais en invisible chez eux, là. Comment il sait que je suis là-bas? Ult. Non, j'ai été dans mon ult dans le vide. Oh, je suis trop nul. Mais non, mais c'est trop bordel. Je te jure qu'un cerveau humain ne peut pas comprendre ce qui se passe là. En plus, la map elle est bleue, donc comme ce que jette c'est bleu, c'est drôle en fait. J'ai quasiment mon ult. Mais il y a 11-10 là, faut pas qu'on perde hein. Mourrez pas. Je suis mort. Oh, je suis trop nul. Mec, je fais que mourir, je fais aucun kill. Non, je suis stun. Oh là 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 là. Ils sont chez nous, on se fait laver les gars, comment c'est possible? Il se passe trop de trucs sur la map. Allez. J'ai mon ult frère, j'ai mon ult. On veut me tuer en boucle? Ult. Non mais mec! En fait, il faut trop d'HP pour utiliser son ult. On va perdre le mode, non! Allez les gars, on gagne. Non, pas là, ils ont une bonne team hein. Allez, Emery là, tu es là, voilà. Ok, là-haut. Ok, j'ai bien invisible. Putain! Faut pas qu'il meure. Non! Il y a un mec qui est mort. C'est toi, Cradock, qui est mort à la fin. Non, alors tu verras la vidéo, frère. J'étais invisible, il m'a tout mis. 7 kills quand même. Je suis le meilleur de ma team, mais je suis mort 4 fois. Bon, le mode de jeu, les gars, avec mon perso, c'est le bordel, honnêtement. C'est super drôle. Malheureusement, j'ai mal joué le perso, mais on aurait pu faire plus de dinguerie. En tout cas, les gars, on a testé le nouveau brawler de Brawl Stars qui est honnêtement incroyable. N'hésitez pas à le noter sur 20. Si vous avez kiffé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner avec la cloche pour louper aucune vidéo. C'était Power. Bye bye!